Soyez impactés de l'esprit de l'obéissance. Demeurez connectés à votre père spirituel avec fidélité. Et je, parce que je vois votre père spirituel vous déposer le micro dans la main. Vous venez de perdre un travail, allez sur vos genoux et dites au Seigneur, pour cette affliction, je réclame une double récompense. Soyez impactés de l'esprit de l'obéissance. Que tout votre être soit impacté et emporté par l'esprit de l'obéissance. Que toute votre vie de Dieu appelé à l'office sacerdotal? Êtes-vous un pasteur qui cherche à mieux comprendre Dieu et à faire des exploits dans son ministère? De la main de la sorcellerie, que ce joug soit brisé au nom de Jésus. Que ce joug de la maladie soit brisé. Êtes-vous un simple croyant assoiffé de Dieu et désireux d'explorer les choses profondes de l'esprit? Inscrivez-vous dès maintenant à l'école prophétique Les Aigles en Action et soyez formés sur comment comprendre et accéder aux choses cachées de l'esprit. Nos programmes sont les suivants. 1. 20 cours de baccalauréat prophétique. 2. Licence prophétique. 70 cours prophétiques sur la précision prophétique. Je suis en train de poser la question à l'Éternel pour savoir. Le Seigneur veut de vous dire qu'il est en train de vous essuyer les larmes et qu'il est en train de changer votre foyer, votre vie maritale. 3. Master 1. 20 cours sur comment communiquer avec les anges. 4. Master 2. 50 cours prophétiques sur le prophétique avancé. 5. Le doctorat 1. 35 cours prophétiques sur le prophétique mystérieux. 6. Doctorat 2. 30 cours prophétiques sur la science du prophétique. Et que vous commencez par évangéliser à travers votre quartier, autour de votre maison, au bureau. Commencez par évangéliser. Le Seigneur veut vous utiliser pour commencer par rendre ministère aux gens, guérir les gens, libérer les gens des afflictions. Pour s'inscrire, contactez le prophète Jeremiah Naoum au plus 234 811 926 54 83. Ne manquez pas ceci, la connaissance est égale à la puissance. Shalom, shalom à l'Éternel, Jéhovah, assis sur le trône, seul soit la gloire. Bienvenue au défi de la prière. N'oubliez pas, nous sommes dans le mois de la royauté. Et l'Éternel, notre Dieu, est fidèle, car il nous exauce, il nous fait grâce. Et n'oubliez pas, au défi de la prière, nous prions, nous parlons en langue, nous prenons le contrôle de notre atmosphère, et nous prions avec la véracité des Écritures. Le Seigneur nous aide aussi à manifester la grâce de la guérison et la grâce du prophétique. Donc, demeurez connectés et vous verrez la gloire de Dieu. Je vous dis, il n'y a pas d'alternative à la prière. Personne ne pourra prier en votre place. On peut prier pour vous et cette prière viendra se fructifier sur la base de votre vie personnelle de prière. Si vous n'avez pas une vie personnelle de prière, même si on prie pour vous, c'est comme une perte.
Une terre qui n'est pas préparée ne pourra jamais recevoir de semences. Et vous ne pouvez jamais attendre d'une terre qui n'est pas préparée une moisson. Ce n'est pas possible. Donc, ayez une vie de prière. Si jamais vous remarquez que votre vie de prière commence par se décliner, sachez que le diable est au seuil de votre porte. Avant que le diable ne puisse vous attaquer, il attaque toujours d'abord votre vie de prière. Parce que votre vie de prière constitue votre énergie, votre force. Aujourd'hui, j'étais sur la montagne avec ma famille et j'ai dit quelque chose à mes enfants. Je les ai dit clairement. J'ai dit, l'héritage que je vous laisse, c'est la prière. Pas de véhicule, pas de maison, c'est l'héritage de la prière. Si on vous demande un jour, quel est l'héritage que votre père vous a laissé? Dites que votre père vous a laissé l'héritage du feu de la prière. Donc si vous êtes en ligne, abonnez-vous, si vous voulez aussi cet héritage, l'héritage du feu de la prière, abonnez-vous, likez la vidéo, partagez et écrivez en dessous, je reçois l'héritage du feu de la prière. Je reçois, écrivez cela, haut et fort. Je reçois l'héritage du feu de la prière. Écrivez cela, je vous attends. Je reçois l'héritage du feu de la prière. Et si vous êtes en ligne, n'oubliez pas, nous avons 4 urgences. Nous sommes en train de construire à l'Éternel votre Dieu. Et nous avons besoin du fer, du sable, et du ciment et du gravier. Et nous vous attendons maintenant. Ziko Baria Degre Adam Abam Ezoto. Egedebrana Zizo Baranoia. Gave, Gave, Barado Koya Mazoka. Barade Gedege. Azadaru Makapaya. Azolololo Kilobra. Akayamana Barekete. Azakilo Rodo Brakitaba. Abanania Felondo. Brekakute Nyakuva. Brekito kito azakai, brenadakuva, brezegedoi, kebru andamara, bruze keludobre ayakamana, ariko badahe, barekote ambaranana, zolile baraku debena, zekotobri, ariakuna mazota, ariano veluna bredegede. Elibro sanda bamana, bamana, redede yelezo, paraze yekutama, barekatu, barikatu, barani yateleve nagwagwa, eberodof, sulinaya, nageva, malunta, beatush, ezodegedede rakabinama, ezori barata hudebe, azori barakuba, nagado, naleba yagabahandush, Nali baratuya magabaus, brekapandea, zekorotokiti agabatuya, zero bare kanama tubre, zigobre adanga, zerusha legedebran, bariko madosh, barika mando, barakia mando, zorekene korodobradi, rakotia baratema, rakuteni brati kurudush, Brati karo bara indagaze, lembru sudu, zadima ya mahande, zadima ratakuba, kalubre adagabadoi, agobradi adandos, igrabrido morde darush, azekania ketopana, guapelando, supelando, zinomarde, ratai. Il y a une jeune fille qui s'appelle Judith. Et il y a des tuyens qui sont en train de sortir de votre corps. Vous savez de quoi je parle. Il y a des tuyens qui sont en train de sortir de votre corps. Comme des grimaux. Et l'Éternel est en train de vous libérer de cette infection. Et le Seigneur brise le joug. Le joug de la sirène des eaux de votre vie. Que votre système soit assaini par le sang de l'agneau et par le feu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a un certain monsieur qui s'appelle Benjamin et l'Éternel est en train de me dire, de vous dire qu'il veut vous changer de position. Je vois une promotion
qui est en train de venir, le Seigneur est en train de vous changer de position. Il y a eu des années, vous êtes resté au même lieu. Je vois 7 ans à 8 ans de travail à la même position. Maintenant, le Seigneur vous envoie une promotion miraculeuse. Au fait, le mot qui est appliqué dans le règne de l'esprit, c'est la souvenance divine, la souvenance divine. Le Seigneur se souvienne de vous divinement. Parouche, Gagae, les Dakakuzaba, et toute personne qui veut la promotion, la prophétie d'une personne et la prophétie de tout le monde, recevez votre promotion. Recevez l'augmentation de salaire. Recevez votre promotion. Zito Ramahai, Agaru Falida Abarados, Kanu Maria Divanos. Si vous êtes en ligne, abonnez-vous. Vous êtes sur le défi de la prière. Likez la vidéo. Et vous verrez la gloire de Dieu. Zeri Kashada, Kanu Batianu Sakuria, Intatalunde, Ibarate Kuteku, Azakino Bratia, Aratata, Iratata, Rekopata, Rekopata, Zolele, La Daniakwa, La Daniakwate, Ariabosh. N'oubliez pas, au défi de la prière, nous nous sanctifions. Nous nous sanctifions. Et toute cette semaine, le Seigneur me dit que nous devons prier, sanctifie-moi, et même rends ma robe blanche. Sanctifie-moi et rends ma robe blanche par ton sang. C'est la prière que nous allons faire toute cette semaine. Sanctifie-moi et rends ma robe blanche. Élevez votre main droite. Dites, mon Père, pendant que je prie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sanctifie-moi et rends ma robe blanche. Purifie ma robe. Purifie ma robe. Sanctifie-moi et rends ma robe blanche. Priez dans le nom de Jésus. Zoti Gaba, Kanae, Labaratu, Zedoma Ketabraito, Zekoti Braiko Parata, Zole Lamanda, Bare Kotabahandi, Zino Breido, Ido, Kailele, Rata, 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 Ratago, Renama Sotoria, Ilobrania, Bomba Se Kadush, Agabela Nagabadush, Agabela Ratakito Mande Kaya, Abario Parata, Azadove Dove, Akayamano Brakita Hae, Rakotaile, Brakatu Subania, Brakito, Brahilandosha, Kaperadudu Zede, Zinomarakapando, Zakotia Bratiko Tiko, Zakaratia Tiati, Azanolobo Ramakaya, Ranomakaya Bahando, Zatitu Tutu, Akapela Ratamanta, Akapela Ratubatuba, Azakido Bretikomanda, Bretiko Barikatu, Bretiko Rabahe, Azanelele Ratakuva, Ratakuva, sanctifie-moi et rends ma robe blanche. Par le sang précieux de l'agneau, sanctifie mon âme, sanctifie mon esprit et rends ma robe blanche. Soudo, Agia, Madeko, Barata, Ziada, sanctifie-moi et rends ma robe blanche. Aragabayata, Aragabaya Toba, Toba Toba, Lage, Nagadaï, Zedoha, Ubaruch, Abaruamina Bahando, Abaruamale Atiakan, Azatoba Tobo, Ieketeba, Abaratate, Abarakutebe, Abarata Munazo Paraduya, Kabelo, Mida Brakua, Zenova, Ikado, Ikado, Ikado Yamakaya, Ikado Yamania, ya quelqu'un. Vous avez vu que vous étiez dans une rivière et vous avez attrapé de gros poissons. Et vous étiez inquiet, vous ne savez pas ce que ça veut dire. Je vous explique et j'explique à tous ceux qui, souvent dans les rêves, attrapent de gros poissons. Cela veut dire que l'argent est en train de venir, de grandes opportunités financières sont en train de venir. Dès que vous voyez que vous attrapez des poissons, ne croyez pas que c'est une manipulation démoniaque, quelque chose qui est sorcellerie. Non. Le Seigneur est en train de me dire, en train de vous dire qu'il est en train de placer devant vous une grande opportunité financière.
que cette opportunité financière soit scellée dans vos mains, sécurisées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. N'oubliez pas, au défi de la prière, nous prenons toujours le contrôle de notre atmosphère. Et le contrôle que le Seigneur nous a dit de prendre cette saison, c'est d'aveugler spirituellement et physiquement les démons et leur installation. Aveugler physiquement et spirituellement les démons et leur installation, leur système, leur structure. Et c'est sur cela que nous allons prier. Mais bien avant cela, abonnez-vous, likez la vidéo, devenez les anges de la bonne nouvelle, partagez maintenant. Et surtout, n'oubliez pas, nous avons une urgence. Nous avons besoin du ciment, du sable, du gravier et du fer. Et c'est votre responsabilité de contribuer. Allez dans Exode 25, vous allez voir ce que je vous dis. Le Seigneur a dit pour la construction du temple que chaque personne contribue. Et il y a de l'or que les hommes doivent contribuer. Donc c'est votre responsabilité pour témoigner à l'Éternel votre amour, votre allégeance et votre fidélité. Donc faites-le maintenant. Élevez votre main droite. Dites mon Père, pendant que je prie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par le sang de l'agneau, que les démons, leur système et leur structure soient aveuglés physiquement et spirituellement. Physiquement et spirituellement, par le sang de l'agneau, que les structures démoniaques, que l'œil des démons, les caméras sataniques de contrôle, soient aveuglés par le sang de l'agneau et par le feu. Priez dans le nom de Jésus. Zotada. Êtes-vous un ministre de Dieu appelé à l'office sacerdotal? Êtes-vous un pasteur qui cherche à mieux comprendre Dieu et à faire des exploits dans son ministère? De la main de la sorcellerie, que ce joug soit brisé au nom de Jésus. Que ce joug de la maladie soit brisé. Êtes-vous un simple croyant assoiffé de Dieu et désireux d'explorer les choses profondes de l'esprit? Inscrivez-vous dès maintenant à l'école prophétique Les Aigles en Action et soyez formés sur comment comprendre et accéder aux choses cachées de l'esprit. Nos programmes sont les suivants. 1. 20 cours de baccalauréat prophétique. 2. Licence prophétique. 70 cours prophétiques sur la précision prophétique. Et je suis en train de poser la question à l'Éternel pour savoir. Le Seigneur me dit de vous dire qu'il est en train de vous essuyer les larmes et qu'il est en train de changer votre foyer, votre vie maritale. 3. Master 1. 20 cours sur comment communiquer avec les anges. 4. Master 2. 50 cours prophétiques sur le prophétique avancé. 5. Le doctorat 1. 35 cours prophétiques sur le prophétique mystérieux. 6. Doctorat 2. 30 cours prophétiques sur la science du prophétique. Et que vous commencez par évangéliser à travers votre quartier, autour de votre maison, à oublier. Commencez par évangéliser. Le Seigneur veut vous utiliser pour commencer par rendre ministère aux gens, guérir les gens, libérer les gens des afflictions. Pour s'inscrire, contactez le prophète Jeremiah Naoum au plus 234 811 926 54 83. Ne manquez pas ceci, la connaissance est égale à la puissance. La gamana, revadu siti agabatuya.
les noms pratiquovama par le sang de l'agneau et par le feu dévorant du Saint-Esprit que les yeux maléfiques, les yeux des démons, les yeux de surveillance et de contrôle, les yeux des divinités, les yeux des hommes forts soient aveuglés physiquement et spirituellement. Que tout œil mystique, satanique qui me surveille, qui m'obsède, qui m'espionne, qui me contrôle, leur système, leur structure, par le sang de l'agneau aveuglé, physiquement, spirituellement, soit aveuglé. L'œil du royaume des eaux, l'œil de l'abîme, l'œil du diable, l'œil de la pyramide, aveuglé par le sang de l'agneau. Aveuglé, aveuglé, radouche, radoudouche, agamayandia. Tout œil démoniaque qui me surveille, qui m'espionne, tout œil des autels, des divinités, des morts, des vivants, des démons, du réseau satanique qui est pointé sur ma vie, mon ministère, mon foyer, ma santé, mes affaires, mes finances, soit aveuglé spirituellement et physiquement par le sang de l'agneau. Aveuglé spirituellement et physiquement par le sang de l'agneau. Que l'œil des géants, l'œil des hommes forts, des femmes fortes, leur système, leur structure soit aveuglé. Rakudamasento, Rakudamande Keta, Rakundamande Arada Kaba, Barekota Aga Amazonte, Baratako, Baratetete, Azalilo Talahando, Azalilo Paradikota, Paradikota, Zenama Rekavendo. Zenama Rikavando, Zolele Kariantuva, Brendekete Azandubarush, Karadon Vataita Kwande, Riko Panada Subande, Riko Panada Kerodembe, Riko Sepalunda Ayataga, Riko Soparende, Zadarabatubarite, Zadarabakuta Ribaritoba, Zekorodo Ikanabai, La kuda mazeketo, la kura kati ya maso parina be, bando krasoi ile tuba gavanosh, gavanosha, gavanosha, teleno kooperatia koparia ketebrau. Je vois dans le règne de l'esprit, il y a un problème autour d'un véhicule. Je ne sais pas si c'est un héritage, mais il y a un problème, il y a un contentieux. Il y a deux personnes qui sont en train de tirer un véhicule. Dans le règne de l'esprit, j'ai vu clairement qu'il y a un contentieux autour d'un véhicule. Je ne sais pas réellement le contentieux, mais j'ai vu qu'il y a un contentieux autour d'un véhicule. Et le Seigneur me dit de vous dire, vous qui m'écoutez, laissez aller. Le Seigneur vous récompense d'une autre manière. Laissez partir. Laissez aller. Votre vie est plus importante qu'un véhicule. Laissez partir, le Seigneur vous récompense d'une autre manière. Si vous êtes en ligne, abonnez-vous, likez la vidéo, partagez et nous allons prier. Cette fois-ci, nous sommes en train de prier sur instruction. L'instruction divine que le Seigneur nous a donnée est de prier contre les hommes forts, la femme forte. Et n'oubliez pas, quand vous allez dans le livre d'Esther, à partir du chapitre 3, vous allez voir clairement que Aman s'est opposé à la royauté de Madouché. Aman s'est opposé à la royauté de Madouché. Parce que nous voulons attaquer deux personnalités. Aman et Pharaon. Aman et Pharaon. Aman représente toute personnalité qui s'oppose à votre royauté. Pharaon représente toute personnalité qui s'oppose à votre royauté. Nous allons prier maintenant. Élevez votre main droite. Dites mon Père, pendant que je prie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout homme fort ou femme forte qui opère contre moi, contre ma royauté comme Aman, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'il soit aveuglé, qu'il devienne fou et qu'il meure le même jour. Je projette sur eux la cécité, la folie et la mort. Tout homme fort, femme forte,
qui bloquent ma royauté. Comme Aman, je projette sur eux la cécité, la folie et la mort en un seul jour. Priez dans le nom de Jésus. Zotakiyama, Zero Vadakiko, Agadagada, Azose Kiyatala, Agori Gori Katato, Zikato Yamanana, Aria Kutania, 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 Abarate Kete, Ayazagadush, Ayagabadush, Ayani Atata, Ironi Akutu, Azatelele Lati Akino Zamaru Kata, Braniata, Braniatata, Zololo Kerete, Ashadamana Kirabahantuzo, Azakilo Rodosh, Akayamana Barakele Atabaria Tutu, Zadege Zadege, Abaradaman Kabaro, Azakutania, Azakutania, Bareko Tamana, Zokotoi, Bratiko Marete, Brataku Taku, Brateno Zeferu, Breniko Sapanuya, Krenizo Ekaparu, Brati Kama Kama Kama, Baradadada, Zelona Kayada, tout homme fort, tout géant, qui opère comme Aman dans ma vie et qui m'empêche d'accéder à ma royauté. Je libère contre vous en un même jour l'aveuglement, la folie et la mort. En un seul jour, je libère contre vous la cécité, la folie et la mort. Kabayana zekopata. Bredi karu maze akavanda. Balenu balenene balanano. Borake katubaniakwa. Bilurata gavasuto. Bilurete bakamando. Zadela ni karadoye. Barado i barada yanuza. Kabela ni bazo tuba tuba. Egedebralia. Suvena yakamando. Yakamana dosepa. Yakuda bareka dova, zena mareketa, barika tu barika yando, bareka na baruzo vela diata, kwandelele, abarataikoto, abarakinotosh, azatino mayata, akurudush, akabayele nada, 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 bareka tamadu kudu, barani ya kede kede, azadanua, abaranua tete. Yeledosh, Akapelanu, Agabremo, Zido Brendo, Zode, Zode, Ragadamahai, Parako Nabaya Itabazu, Parakota Iga Aba, Nudemenazo, Barika Manazoe, Parati Yakove, Kaprea Diko Mana, Perado Vinavu, Brodozigi Zigiza, Brozozigi Zigiza, Radaitele Dosh, Radaitele Kadabahando, Katabahando, 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 Sokoto ikete kete, Sokoto ikete kete, Ariata tabo, Ariata kuta kuta, Elobarati atush, Zagadamerati atuta, Ariato venia, Agaravino vadush, Baranune bakiata, Brena bakush, Brena dako vena baku zeke yato, Abrenda kutahe. Je vous explique ceci rapidement avant de prier pour vous. Parce que quand nous allons revenir, nous allons prier contre le règne de Pharaon. Entre Aman et Pharaon, les deux ont la même mission, mais seulement différentes stratégies. Aman est une personnalité qui vous complique. Qui vous complique la vie pour que vous n'accédez pas à la royauté. Vous êtes à un poste et vous voulez la promotion et il y a un, comment on appelle, chargé des ressources humaines qui vous complique la vie. Lui devient Aman. Il ne veut pas que vous accédez à votre royauté. Mais quand nous parlons de Pharaon, Pharaon ne vous complique pas la vie. Il vous garde en servitude, en captivité pour que vous n'accédez pas à la royauté. L'autre vous laisse libre, mais vous complique la vie. Ça, c'est Aman. Pharaon ne vous laisse pas libre. Il vous prend en captivité, vous emprisonne. Vous n'aurez même pas la liberté pour dire que vous voulez chercher la royauté. Donc, nous allons prier contre Pharaon.
Mais bien avant cela, étendez vos mains vers moi. Zoré, Chata, Niagara Douce, tout un sort, toute femme sorte qui représente un manque dans votre vie, qui vous complique la vie et qui vous empêche d'accéder à votre royauté. Je libère sur eux le jugement de l'Éternel, la cécité, la folie et la mort. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la cécité, la folie et la mort. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout homme fort, femme forte, dans votre lieu de travail, dans votre famille, dans votre village, qui a juré que vous n'allez jamais rentrer dans votre royauté. Leros, Agassia, Tete, Andavena, Grubela, Cantusa, Bredico, Sobandia, Telenyato, Gelivro, Soparalia, que l'Éternel, le juste juge, libère contre eux la cécité, la folie et la mort. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si vous êtes en ligne, abonnez-vous, likez la vidéo, partagez et n'oubliez pas, inscrivez-vous à l'école prophétique Les Aigles en Action, à l'Institut biblique L'Aigle de la Révélation. Et n'oubliez pas, nous avons besoin de quatre choses en urgence pour la construction du temple de l'Éternel, le ciment, le fer, le sable et le gravier. Et donnez selon votre cœur, selon la libéralité de votre esprit, et vous verrez la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, c'était le défi de la prière. Alors, bien-aimé, demain en août, et je vous dis shalom. Mille raisons pour lesquelles un pasteur ne doit pas être pauvre. Mille raisons pour lesquelles toutes les églises doivent se tourner vers le Nigeria. Ils ont blessé le prophète. Initiation au prophétique. Le prophétique avancé. Les sciences du prophétique, volume 1, volume 2 et volume 3. La précision prophétique. Le prophétique mystérieux. Activation avancée des anges. Procurez-vous nos livres prophétiques afin d'accéder à une nouvelle dimension prophétique. Êtes-vous un ministre de Dieu appelé à l'office sacerdotal? Êtes-vous un pasteur qui cherche à mieux comprendre Dieu et à faire des exploits dans son ministère? De la main de la sorcellerie, que ce joug soit brisé au nom de Jésus. Que ce joug de la maladie soit brisé. Êtes-vous un simple croyant assoiffé de Dieu et désireux d'explorer les choses profondes de l'esprit? Inscrivez-vous dès maintenant à l'école prophétique Les Aigles en Action et soyez formés sur comment comprendre et accéder aux choses cachées de l'esprit. Nos programmes sont les suivants. 1. 20 cours de baccalauréat prophétique. 2. Licence prophétique. 70 cours prophétiques sur la précision prophétique. Je suis en train de poser la question à l'Éternel pour savoir. Le Seigneur me dit de vous dire qu'il est en train de vous essuyer les larmes et qu'il est en train de changer votre foyer, votre vie maritale. 3. Master 1. 20 cours sur comment communiquer avec les anges. 4. Master 2. 50 cours prophétiques sur le prophétique avancé. 5. Le doctorat 1. 35 cours prophétiques sur le prophétique mystérieux. 6. Doctorat 2. 30 cours prophétiques sur la science du prophétique. Et que vous commencez par évangéliser à travers votre quartier, autour de votre maison, au bureau. Commencez par évangéliser. Le Seigneur veut vous utiliser pour commencer par rendre ministère aux gens, guérir les gens, libérer les gens des afflictions. Pour s'inscrire, contactez le prophète Jeremiah Naoum au plus 234 811 926 54 83. Ne manquez pas ceci, la connaissance est égale à la puissance. Thank you.
soyez impactés de l'esprit de l'obéissance. Demeurez connectés à votre père spirituel avec fidélité. Et je, parce que je vois votre père spirituel vous déposer le micro dans la main. Vous venez de perdre un travail, allez sur vos genoux et dites au Seigneur, pour cette affliction, je réclame une double récompense. Soyez impactés de l'esprit de l'obéissance. Que tout votre être soit impacté et emporté par l'esprit de l'obéissance. Que toute votre vie